ないマネキャンバーマンラブなんてのんきなやつにラリアート3回間にある通りにただ抱き合い愛がないことに気がつかない窒息する前に叫ぼうぜ Oh in a midnight dream慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけがシート So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこの寿司だけは通し生きてる Love So Long Je t'en prie Takumi Je ne veux pas en parler à Kenji parce que je sais bien qu'il va trouver ça ridicule Mais je tenais à t'expliquer la situation pour que tu comprennes mes motivations dans cette histoire Je vois Mais ça ne me plaît pas, tout ça. Pour moi, cette fille n'a aucune excuse. Écoute, je ne veux pas que tu penses du mal de Mako, Takumi. Au fond, c'est une fille bien. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous prenez sa défense. Ni pourquoi vous tenez autant à lui rendre service après le sale coup qu'elle vous a fait. Allez, Takumi. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Oh. Takumi, toi qui n'as jamais conduit ailleurs qu'au col d'Akina, tu trouves ça comment ici? Tu pourrais courir au col d'Usui? Mais j'en sais rien, moi. J'ai jamais conduit ici. Entendu, je vais le faire. Hein? C'est vrai? Merci, sincèrement. Cependant, je ne suis toujours pas sûr de comprendre en quoi affronter Mako en duel pourrait vous satisfaire tous les deux, monsieur. Takumi. Mais bon, quoi qu'il en soit, je veux bien aller courir là-bas. Dis-moi que tu plaisantes, c'est pas possible. Takumi va vraiment courir contre la terrible Sil 80 au col d'Usui? C'est fou, j'arrive pas à le croire, ça! Je sais, moi non plus. Mais c'est quand même bizarre, je trouve. D'habitude, Takumi ne fait jamais de course dans d'autres cols que celui d'Akina. Et c'est Iketani qui lui a demandé. Comment il a pu faire pour le convaincre? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je lui ai demandé comment ça s'était passé, mais il a catégoriquement refusé de me raconter les détails. Est-ce que tu te rappelles, Itsuki? Quand on disait que Takumi était tellement doué qu'il finirait par courir ailleurs qu'à Akina. Oui. Eh bien, je comprends qu'Iketani ne veuille pas manquer ça. Oui, mais ça n'aura rien d'une part de plaisir. Tu as vu de quoi la Sil 80 est capable? C'est la meilleure du coin. Takumi va faire une course au col d'Usui? Exactement, patron. Et elle est vraiment si forte que ça, cette Sil 80? Quoi, la Sil 80? Mais dites-moi que vous plaisantez, là! Il fallait voir ça, la route a beau être super étroite au col d'Usui, et pourtant, elle arrivait à déraper comme elle voulait. Takumi a aussi vu la Sil 80 en pleine action, donc il a pu étudier sa technique. Je suis sûr que Takumi peut arriver à la barre. Oui, mais toi, tu dis toujours ça, Itsuki, ne sois pas si optimiste. Le type de la station-service nous a dit que personne ne l'avait jamais battu. Peut-être que pour Takumi, ce n'est pas le résultat final de cette course qui compte. Je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête. Hein? Oh, mince, j'ai plus de cigarettes. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à aller en chercher. C'est une blague ou quoi? D'où est-ce qu'elle vient, cette vieille 85 pourrie? J'ai échangé les voitures, Takumi. J'imagine trop la tête de ton père, il doit être dégoûté. Sa 86 chérie s'est transformée en 85. Il ne s'est rendu compte de rien. Dis-moi, Iketani, j'ai quelque chose à te demander. Ah bon? Je t'écoute. Eh bien, je me demandais de quel côté tu allais être ce soir. Hein?
Comment ça, de quel côté je vais être? Tu sais bien que je ne suis rien d'autre qu'un intermédiaire dans cette course, non? Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à te croire. Essaie de te mettre à la place de Takumi. J'imagine que c'est pour faire bonne figure devant cette Mako que tu choisis de te conduire aussi mal avec tes amis, c'est ça? Tu te trompes, Kenji. Ah, vraiment? Alors dis-moi, Ikitani, est-ce que tu penses que Takumi a vraiment des chances de gagner ce soir? Il me semble que je t'ai posé une question, alors réponds-moi, s'il te plaît. Eh bien, je... Il ne peut pas gagner. Takumi n'a jamais conduit ailleurs qu'à Akina, c'est tout ce qu'il connaît. Ça va être sa première course au col d'Usui, et il ne s'est jamais entraîné sur le terrain alors que c'est un parcours extrêmement difficile. C'est vrai qu'il possède une technique impressionnante, mais nous savons tous les deux que ça n'est pas toujours qu'une question de technique. Il faut également être bien habitué au parcours. Sans exercice ni préparation, c'est impossible de gagner, même pour un pilote aussi doué que Takumi. Et le pire, c'est que je sais très bien que tu en es parfaitement conscient. Tu vois, c'est que... C'est que quoi? C'est normal d'être faible devant la fille qu'on aime, c'est ça? Pour ma dernière course, j'aimerais que vous demandiez à la 86 d'Akina de bien vouloir m'affronter en duel à Usui. Ça ne se fait pas de marchander un ami pour une fille qui t'obsède. Au cas où tu l'aurais oublié, Takumi et sa 86 nous ont bien aidés quand on en a eu besoin, et c'est devenu la fierté d'Akina. Il faut à tout prix empêcher cette course. Autrement, renonce à mon amitié. Hein? Tu as raison. C'est d'accord. Désolée. J'aurais dû t'en parler avant, mais j'espère que tu ne m'en veux pas, Sayuki. Tu comprends, je n'avais pas encore pris ma décision. Mais maintenant, ça y est, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est juste que je ne comprends pas vraiment. Pourquoi tu veux arrêter de courir, Mako? Il y a 2 ans, quand on a commencé à participer à des courses ensemble, tu te souviens comment on était enthousiastes? Ce qu'on voulait, c'était devenir les 2 meilleures coureuses de la région d'Usui. Mais on s'amuse toujours, non? Même encore maintenant. Eh bien, comment dire, ça ne me fait plus le même effet aujourd'hui, tu vois. C'est différent. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais que le temps était peut-être venu d'arrêter. Donc, je pense que je préfère en rester là. Très bien, si tu le dis. Mais tu comprendras que cette nouvelle ne me fait pas sauter au plafond. Moi aussi, je veux un petit ami. J'ai tellement envie d'être enfin amoureuse de quelqu'un, tu comprends? Tu sais, tu peux participer à des courses et avoir un petit ami en même temps, Mako. Non, ce n'est pas vrai. De toute façon, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens, Sayuki. Ah bon? Alors je me trompe si je te dis que tu es amoureuse? Quelqu'un et je crois qu'il me plaît. Tiens donc, petite cachotière. Je disais ça complètement au hasard, mais apparemment, j'ai bien fait. Oh, mais tu n'aurais jamais pu deviner qui c'est, de toute façon. Ce n'est pas un garçon qu'on connaît, en fait. C'est quelqu'un que j'avais repéré de loin et que j'ai observé en secret. C'est pas vrai. Ce que tu peux être nunuche quand tu t'y mets, Mako, c'est vraiment pathétique. Je te rappelle que tu as 20 ans, pas 12. Et alors, je m'en moque? Et si ça me suffit à moi d'admirer les garçons de loin, hein, ça te dérange? Non, mais est-ce que tu t'entends? C'est du concret qu'il te faut, pas un fantasme. Quoi qu'il en soit, après toutes les courses auxquelles on a participé ces 2 dernières années, je voudrais tester une dernière fois ce qu'on vaut vraiment sur les pistes. Histoire de marquer le coup, c'est ça? Je comprends, ça me paraît être une bonne idée. Et puis tu as choisi un adversaire à ta hauteur. Oui. Par contre, il faut bien que tu saches quelque chose. Puisqu'on va courir sur notre propre terrain, il est hors de question qu'on se fasse battre par qui que ce soit. Sinon, je ne pourrais pas accepter ta décision de tout arrêter.
Je sais bien. Et je suis d'accord, nous devons remporter cette course coûte que coûte. Même si c'est contre la 86 d'Akina. Oui, coûte que coûte. Enfin bref, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il ne faut surtout pas te forcer à faire cette course, Takumi. Iketani et moi, on se charge d'expliquer ça aux filles. Donc tu peux rentrer à Akina si tu veux. Hein ? Oui, il a raison. Je me suis mal comporté avec toi. Il faut lui pardonner, Takumi. Ben oui, mais... Je veux pas rentrer, moi. Hein ? Comment ça ? Si j'y vais, c'est pas parce que je me sens obligé. J'ai vraiment envie de la faire, cette course. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, moi je reste. Ah, oh, Takumi ! Mais, Takumi, tu as bien vu de quoi Mako était capable au volant. Et tu pars avec un gros désavantage puisque tu ne connais pas la route. Désolé, mais tu ne pourras jamais gagner. Oui, ça je sais. Hein ? Ce qui compte le plus pour moi, c'est pas vraiment de savoir qui va gagner. Mais réfléchis un peu, voyons. La 86 d'Akina est devenue très célèbre en très peu de temps. Tous les pilotes la connaissent. C'est important, une bonne réputation. À vrai dire, je m'en fiche un peu de tout ça. C'est pas mon truc, tu vois. C'est facile de gagner quand on reste sur son propre terrain. Mais je ne veux pas non plus être victime de la rumeur, tu comprends? Et en fait, je dois dire que je serais même assez soulagé qu'on arrête un peu de parler de moi. C'est vrai? Bah oui, mais... Bon, bah moi j'y vais. C'est un col que je ne connais pas. Mais je vais essayer d'y aller à fond. Je m'excuse, Iketani. J'y suis allé un peu fort tout à l'heure. Si c'est la décision de Takumi, alors là, je n'ai rien à dire. Il faut le laisser faire. Exact. Mais ça n'empêche que... Il est quand même bizarre, ce Takumi. Il n'a pas du tout la même vision des choses que nous. J'arrive pas à savoir si c'est un vrai génie ou bien s'il est juste complètement cinglé. Les pneus sont OK. Ils adhèrent suffisamment bien comme ça. De toute façon, on n'a pas besoin de changer les pneus puisqu'on est assuré d'être les meilleurs. Si tu le dis, alors c'est que ça doit être vrai. Tu le sais sûrement aussi bien que moi. Mais n'oublie pas que dans un duel de ce genre, il ne faut surtout pas que tu prennes d'angle en dérapant. Et tu dois bien savoir dans quel virage tu peux déraper et dans lesquels il ne vaut mieux pas. Surtout ici à Usui où les virages s'enchaînent. Mais tu peux compter sur moi, Mako. Alors aie confiance en toi, ma grande. N'hésite surtout pas à foncer. Et dis-toi bien que personne ne peut te battre. Tu peux compter sur moi aussi, Sayuki. Je vais assurer. Toi et moi ensemble, on ne fait qu'une, pas vrai? Oh, je ne tiens plus en place, Sayuki. Ce soir, on est vraiment au top de notre forme. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et surtout, à quel genre de type on a affaire. Initial D. Alors, mon vieux, comment tu comptes t'y prendre pour gagner? Je suis sûr que t'as un plan. Allez, dis-le-moi, dis-moi ce que c'est. Eh bien non, je n'ai pas de plan. Oh, c'est pas possible, ça. Tu ne peux pas trouver un truc, là, vite fait. Parce que tu sais, je ne suis pas venu jusqu'ici pour te voir perdre. Bon, alors, écoute-moi bien. La route est très étroite ici et il n'y a aucune ligne droite. Dans ce cas, commence avec un faux départ et tu la bloques derrière toi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, écoute, comme ça tu lui bloques le passage. Tu l'empêches de te doubler pendant tout le long et hop, tu gagnes. Ça va pas, je pourrais pas faire un truc pareil. C'est pas très honnête, Itsuki. Ben oui, mais si jamais tu te fais doubler, après tu te feras distancer. C'est pas une raison. Ah bon? Alors tu penses qu'il y a vraiment rien à faire? C'est désespérant, mais pourquoi je suis venu, moi? Quoi? C'est vraiment toi, le conducteur de la 86 d'Akina? Non, mais c'est une blague ou quoi? Il se fiche de nous, non?
T'es pas un peu jeune pour jouer avec des voitures? Ben, j'ai 18 ans, pourquoi? 18 ans? C'est un lycéen. Non, mais dites-moi que je rêve. Mais pour qui elles se prennent? Elles ont à peine 20 ans, c'est jeune aussi. Et en plus, c'est des filles. C'est rien qu'un gamin, ça va être encore plus facile que ce que je croyais, tu vas voir. Bon, et si on parlait sérieusement maintenant? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la configuration de ce col fait que ce n'est pas très pratique de partir à deux sur la même ligne au départ. Ça avantagerait trop celui qui démarre le plus vite, parce qu'ensuite ce serait trop difficile de le doubler. Et puis je ne veux pas que vous fassiez de faux départs. Ah, c'est râpé pour mon idée! Alors, comment on fait? Je vous propose qu'on se le fasse à la chasse au premier, vous connaissez? Bon, je vous explique. Si le premier réussit à distancer l'autre, il gagne. Sinon, on recommence en changeant les positions de départ. C'est ce qu'on appelle une course par mort subite. Alors? Oui, ça me va très bien. Dans ce cas, puisqu'on est de la région, on va te laisser choisir ta position de départ pour la première course. T'es d'accord? Tu veux l'avant ou l'arrière? Attends, viens voir. Viens voir par ici, Takumi. Il vaudrait mieux que tu sois devant pour la première course. Et comme ça, même si tu es à l'arrière pour la deuxième course, au moins tu auras déjà expérimenté le parcours, tu comprends? Et puis, c'est moins grave si tu perds la deuxième course, tu vois? Tu vas voir. À tous les coups, il va vouloir prendre l'avant pour la première course. T'inquiète pas, Sayuki, on gagnera au moins la deuxième. Vous savez, c'est très sympa de vouloir me conseiller, les gars. J'apprécie, je vous assure. Ceci dit, ça me dit rien de faire comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, Takumi? Ça va pas? Laissez tomber, les gars. Je prends l'arrière. Quoi? Oh! Réfléchis bien, Takumi. Oh. C'est moi qui fais la course, alors c'est à moi de décider, non? Hé, mais attends! C'est bon, je prends l'arrière. Hein? L'arrière, tu es sûr? Soit il se fiche de nous, soit c'est un débile profond. Ne t'inquiète pas, on va le battre. Oh, qui que ce soit, il a vraiment mal choisi son moment, celui-là. Oui, Fujiwara Tofu? Allô, Bunta, c'est Yuichi. Salut, tu tombes mal. Je suis, comme qui dirait, un tout petit peu occupé, là. Je te téléphone parce que je pensais à un truc. C'est à propos de Takumi, en fait. On va pas tarder à y aller. Tu es prêt? Il est parti faire une course au col d'Usui. Et alors? Et alors? Bah, c'est tout ce que tu trouves à dire. Et alors? Tu ne t'inquiètes même pas un petit peu? Bah non. Après tout, c'est mon fils, pas vrai? On part lentement, alors il faut que tu nous suives en douceur. C'est compris? Ensuite, on met les gaz à la sortie du premier virage et c'est ça qu'on considère comme le vrai départ. Est-ce que tout est clair pour toi, mon grand? Rien d'autre à me dire, tu en es bien sûr? Oui, c'est tout. Je suis occupé. Alors à l'avenir, je te demande de ne plus me déranger pour rien. Oh, Palo! Punta! Oh. Takumi, il faut que je te dise que j'ai été bête et que je me rends compte maintenant. Je n'ai pensé qu'à moi dans cette histoire. En fait, je savais très bien que tu accepterais ce rôle ingrat pour me sauver la face, alors que tu savais que tu n'avais aucune chance de gagner. Oh, je regrette tellement, Takumi. Tu sais que, pour les coureurs d'Akina, tu es notre fierté à tous. Je n'aurais jamais dû te faire une chose pareille. Et je ne voudrais pas te voir perdre une course aussi ridicule à cause de moi. Non, mais Takumi ne va pas perdre! Itsuki, redescends un peu sur terre, voyons. Tout est ma faute. Ketani, écoutez, si j'ai décidé de prendre l'arrière, c'est pas par hasard, vous savez, mais parce que j'ai une idée. Quoi? Je ne sais pas si je peux la gagner, cette course, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas l'intention de la perdre. Ça, non.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, Takumi? T'as un plan, c'est ça? Eh bien, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à appeler ça un plan. C'est juste une idée toute bête, en fait. Rien de plus. Bah alors, Takumi, dis-nous ce que c'est, allez! Bah ouais, vas-y, mon vieux! Je sais bien que leur SIL 80 est super rapide, mais bon, ce n'est pas non plus un bolide surpuissant. Ça reste une voiture comme une autre, avec quatre pneus et un volant. Et donc, je me dis tout simplement que si elle peut tourner à une certaine vitesse, je ne vois pas pourquoi moi, je n'y arriverai pas. Et voilà, c'est ça mon idée. Ah bah c'est super! C'est bien beau tout ça, mais en pratique, c'est... Il délire complètement, ce mec! On y va! Allez, c'est parti, ma grande! On n'aura qu'une seule descente à faire! D'accord, Sayuki. Prépare-toi à vivre la meilleure course qu'on ait jamais faite. Après le virage. Ça va être la toute première fois que Takumi participe à une course ailleurs qu'au col d'Akina. C'est dommage, parce que ça a beau être un pilote extrêmement doué, les conditions sont beaucoup trop difficiles sur ce col. Mais non, ça ira. Moi je suis sûr que Takumi va gagner. Yahoo! Des coureuses après tout. Oui. Sayuki, qu'est-ce que vous allez devenir quand Mako aura arrêté de courir? Comment ça? Eh ben je continuerai moi. Oh Sayuki. Vous ne vous arrêterez pas? Eh non. Et en plus j'irai chasser les mecs. Hein? Qui veut sortir avec moi, hein? Vous vous cachez où mes mignons? Bah à plus Sayuki. Dans le prochain épisode d'Initial D, Usui, vent brûlant, course effrénée. Ne le ratez pas.